Bonjour tout le monde, c'est Mobius68 et vous êtes sur The Retro Playthrou. Donc je continue ma série des attaques, des super attaques dans Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Et donc on s'était arrêté à Goku milieu. Donc on a vu Goku milieu dans le dernier personnage qu'on avait fait. Maintenant on va passer à Gohan Ado. Alors Gohan Ado, il se bat contre Cell. Et on va te mettre Cell en forme parfaite. Hein. Comme ça, ça représente bien l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait notre petit Gohan? Allez, Vegeta fait une petite pompe. Alors, Gohan, qu'est-ce que tu nous fais? Machenko, oui, bon, ça on connaît. Hein. Une petite boule. Ok. Ensuite, l'ultime. Son ultime à Gohan, c'est quoi? Un gros Kamamea. Ah ouais, sympa Kamamea. Ouais, tranquille. Allez, alors, en super guerrier. Bon, un Machinko, pareil. Ah, c'est différent. Il fait ça quand? Je sais plus. Ah, vous pourrez me le dire, hein. Moi je sais pas du tout je sais pas quand il nous fait ça. Ça me dit vaguement quelque chose, mais je sais plus. Et en ultime, il nous fait quoi? Ah, Kamamea, pareil. D'accord. Allez, guerrier 2, il est classe en guerrier 2. Ah, joli le Kamamea, franchement. Ensuite, des petites doubles. Ok. Et l'ultime, hein. Elle m'a approché, je pense. L'ultime, elle est magnifique. Je pense que c'est quand il tue Cell. Ouais, c'est ça, ouais. Quand t'as Goku qui vient l'aider et tout. Vraiment joli. Super attaque. On peut pas aller plus haut, hein. Franchement, super attaque. Je trouve ça vraiment représentatif du dessin animé, quoi. Alors, ensuite, Piccolo. Piccolo fin. Ouais, Piccolo début et Piccolo fin. En fait, il n'y a pas de milieu. Piccolo, début et fin, c'est tout. Bon, allez. Et fin, et c'est sûrement... on va laisser comme ça, contre Cell. Hein. Comme ça ou comme ça? On va essayer comme ça. Voilà. Donc, Piccolo qui se bat contre Cell. C'est pas trop. Hop, dans le désert. Allez, fait chaud. Ça doit rappeler un petit peu l'été là, parce qu'il a caillé quand même là. Allez. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Bah, Campo Sampo, première attaque. Bah, quand même, hein. C'est pas du léger, hein. Direct, hein. Il passe au lourd. Hein. Ça, il le fait. Il le fait, je sais plus, en premier, contre Nappa, je crois en premier, mais je suis pas très sûr, hein. Vous confirmerez. Donc son ultime. Ah, je sais où c'est cet ultime. L'ultime, c'est, il détruit l'île, justement, il se bat contre C-17, et il fait cet ultime à C-17. Et C-17 avait un bouclier, donc il a rien senti. Et il explose l'île comme ça, en fait, Piccolo. Bah, attends, juste à le faire décoller. Comme ça, on verra mieux l'attaque. Ah, il veut pas décoller. C'est dommage. On va essayer de la remontrer. En fait, il tire plein de petites boules. Et après, il les renvoie tous sur lui. Est-ce qu'il monte en niveau? Non, il n'évolue pas. Il n'y a que ça en fait. Bof, hein. Pas exceptionnel. Ouais, voilà. Bon. Changement de perso.
Voilà. Alors, après Piccolo, on a Vegeta. Donc, on a Vegeta détecteur et Vegeta. Ok, donc Vegeta contre. Contre Cell. Hein. Faire Cell niveau 2, quand il se bat contre Cell au niveau 2. Ou 3. Non, 2, parce qu'il va gagner là. Il va montrer ses super pouvoirs. Donc, 2. Des îles. Ouais, ça ressemble bien à ça. Il se bat contre Cell sur des îles. Alors, le petit Vegeta. Canon garlic. Ok. Ouais. Non, pas une petite bouboule. J'ai failli dire Final Flash, mais non, une petite bouboule. Oui. D'accord. Vous foutez vos gueules l'un à l'autre, c'est magnifique. Ah, il fait tout péter. Ok. C'est sympa. Assez violent aussi. Hein. Ah, il fait tout péter. Oh, il est pas content. Pas content du tout. Bon. Alors, ensuite. Super guerrier. Je suis pas contre qui il fait ça. Ouf. Et ça, c'est contre qui? Ah, ça, c'est contre... mince, comment il s'appelle? Contre C-19, je crois qu'il lui fait ça. C'est l'attaque... c'est une attaque contre C-19, ça. Puis, ah, et ça, c'est l'attaque ultime contre C-19. C-19, il ne résiste pas à ça. Vegeta gros muscle. Enfin, quand il se dit super Vegeta, quand il se la pète grave. Big Bang attaque, première attaque. Ouais, sympa. Et ça, il le fait à Cell dans, quand il se bat contre lui, effectivement. L'ultime, c'est quoi? Ah oui! Quand il tire sur Cell en forme parfaite, il lui dit d'encaisser. Il charge pendant des heures et puis il tire et puis en fait Cell il encaisse et puis il perd un bras. Et Vegeta est tout content et en fait Cell bluff. Il a rien parce qu'il a les cellules de Piccolo donc il se régénère. Il les a tout, enfin il l'a bien eu sur ce coup-là. Tenshinhan. Tenshinhan contre Cell 2, ouais, c'est bien ça. Alors, Tenshinhan, qu'est-ce que tu nous sais faire? Qu'est-ce que tu sais nous faire, plutôt? Gudampa, la première fois qu'il le fait, c'est contre... Goku. Ouais, il le fait contre Goku, dans le premier tournoi des arts martiaux. Enfin, promis, c'est pas le premier, mais c'est le premier qu'il fait contre Goku. Ensuite... Oui, il le fait aussi contre Goku, celui-là, en première fois. Il fait carrément disparaître le ring, en fait. Il veut gagner comme ça, en fait. Il fait sauter Goku, il fait disparaître le ring, et il espère que Goku va tomber. Et, enfin, il tombe, il se prend un camion avant de... Enfin, il gagne, d'ailleurs, ce tournoi, Tenshinhan. Et après, il fait aussi cette attaque plusieurs fois contre... contre Cell. D'ailleurs, je pense que son ultime, c'est ça. Oui, c'est ça. Il fait que ça. Et en fait, Cell... il s'arrête pas, voilà. Tout à fait. En fait, et Cell, il reste bloqué. En fait, il dit à C-18 de se tirer. Et il l'arrête comme ça. Il arrête Cell en tirant des boules de feu, comme ça, jusqu'à la mort. Presque jusqu'à la mort, en fait. Il meurt pas, c'est Goku qui vient le chercher, mais il était presque mort, quand même. Chaos, il sert à rien. Tu n'as pas une fois, enfin il tue, enfin non, il tue pas n'a pas, il meurt en essayant de tuer n'a pas. D'ailleurs on va mettre n'a pas en face, hein. Tu déjà n'a pas, hop, vas-y, pas toi contre n'a pas. Non, pas gorille. D'ailleurs n'a pas gorille, on l'a jamais vu en gorille, hein, dans ce dessin de ce jeu, ils l'ont mis, des trucs un peu farfelus. Alors qu'est-ce qu'il nous fait? Ne donne pas. La première fois qu'on voit faire Dodomba, c'est contre Krillin.
Et justement, Tortue Géniale, il dit, ouais, mais ne tombe pas, c'est... Non, le Kamehameha, c'est de la pipitcha qu'on ne tombe pas. Ensuite, télépathie, il tire des rochers, ok. Ça, j'ai jamais vu, hein, aucun des dessins animés. Et l'ultime... Ah bah l'ultime, faut pas se demander, hein. Qu'est-ce que c'est l'ultime, à votre avis? C'est quand il se suicide. Eh oui, c'est quand il se suicide. Ouais, d'ailleurs, il est tout caput, il est tout cassé. Ouais. Bon, voilà, je pense pas qu'il se transforme, hein, non. Il n'y a pas de Super Saiyan. Il n'y a pas de Super Saiyan. Charles Trunk. Ouais, j'aime bien Trunk. Trunk contre. Je sais pas moi. Contre. Contre qui? Ce Trunk il est contre Cell normalement. Hein. Donc on va mettre Cell en face. Hein. Hop, Trunk contre Cell. Cell niveau 2. Allez. Non, même pas. Niveau parfait. Allez. Trunk contre Cell parfait. Hop, quoi, voilà. Ah, c'est le terrain avec le camion. En fait, c'est quand Vegeta il se bat contre C18. Ça, c'est le terrain. Bon, c'est pas grave. Ouais, bof. Ah, c'est pour grave. Ensuite. Je sais pas contre qui il fait ça, hein. Alors là, franchement. Ensuite, l'ultime. Je sais pas non plus contre qui il fait ça, hein. Voilà, un super guerrier, il nous fait quoi? Pareil qu'avant, hein. Les auteurs du jeu, ils avaient pas trop d'idées, hein. Faut croire. Ah, ah. Je sais pas. Il me confie, je sais pas, peut-être qu'il fait que. Je sais pas contre qui il fait ça. Non, oups, oups, excuse-moi, je vais pas faire ça. Je vais aller faire l'ultime. Il doit faire ça peut-être contre Cell, je sais pas. Bon, alors, l'ultime. Ah, l'ultime, je sais qu'est-ce que c'est. C'est quand il tue Cell dans le futur. Il retourne dans le futur et il le tue comme ça. Il tue Cell comme ça. Il tue ses 18 et ses 17 et il tue Cell comme ça aussi. Ouais, c'est bien. Ensuite. Gros muscle. Ouais. On dirait Broly comme ça en fait. Ça va faire ça. C'est pas la même attaque. Ah non, c'est pas la même. C'est presque la même, mais c'est pas la même. Et l'ultime, c'est quoi? Oh, il s'est pété, quoi. Ouais, bof. Franchement, je préfère encore celle d'avant. Hein. Goku fin. Ouais, là, il y aura du lourd. Du très lourd. Hop. Je vais mettre en ma couleur préférée. Il va se battre contre Boubou. Ouais, voilà. Comme ça, hop. Allez, contre Boubou. Vas-y. Montre-nous ce que tu sais faire. Oh non, c'est pas le costume que je voulais. J'ai un costume préféré, mais c'est pas celui-là. Bon, comme un méa. Ouais. Dommage. Alors, il fait quoi? Contre qui il fait ça? Contre Boubou, je crois, d'ailleurs. Je suis pas sûr, mais c'est contre Boubou, je crois. Ouh, le gros Genki-Lama. Ah bah, c'est le Genki-Lama contre Boubou, justement. Mais contre le Boubou petit, pas celui-là.
joli. Franchement joli. Alors, un super guerrier, qu'est-ce qu'il nous fait? Quand même, là, hein. Ça m'étonne pas. Une petite bouboule, ça ne me donne pas non plus. Ensuite. Ah, un super Kamehameha. Ah, ça, c'est le Kamehameha qu'il utilise contre Cell. Il lui fait ça à Cell. Oh, sympa les bruits de flotte. Ça ressemble au vieux jeu Kin 1 quand tu sautais. Oui, c'est ça. Allez, ensuite. Ah, en hyper guerrier. Alors que tu nous fais un Kamehameha. D'accord. Alors, ensuite. Ah, mais c'est la même qu'avant. C'est nul. Ça, c'était nul. Et l'ultime ? Un gros super Kamehameha, quoi. Pareil. Ouais, bof. C'est quoi ce truc? Un rocher? Je viens de voir un truc là dans l'eau. Oui, c'est un rocher. Bon, c'est pas grave. Ensuite. Oh, méga guerrier! Et alors, qu'est-ce que. Ok, voilà, méga guerrier, il te fait un gros Kamehameha dans la tronche, quoi. Ah, il explose. Ouais, bof, hein. Bof, bof. Je m'attendais à du lourd, plus lourd que ça, quand même. Il fait quoi, là? Ah! L'attaque du dragon! Il fait ça à Hildegard, dans le film. Dans le film, il fait ça à Hildegard, en fait. Il traverse le ventre. Et il le bat comme ça. Ensuite, tu peux pas aller plus loin? Tu peux pas aller plus loin, ok. Donc on va reprendre Goku, mais cette fois-ci en végétaux ou en... Ouais, je veux... Quoique, il commence à être l'heure d'arrêter l'épisode. Donc, vous verrez végétaux dans le prochain épisode. Donc, c'était Mobius78 sur The Retro Playthrough. Et si vous êtes la vidéo vous a plu, vous mettez un pouce vert, si ça n'a pas plu, vous mettez un pouce rouge et je vous dis au revoir.